Voilà, salut YouTube, bienvenue sur un petit jeu du plaisir. Voilà, j'enviens le curseur pour pas qu'on me fasse chier. On va jouer à Dead's Door, qui est un petit jeu indé qui avait été annoncé il y a quelques mois. D'ailleurs, je crois qu'il était passé dans un Nintendo Direct. Je sais même pas s'il avait pas été montré à l'E3. Bref, ça va être trop bien. Et ce petit jeu, je sais pas, j'ai trouvé la DA super cool. Ah oui, on voit quand je baisse les... C'est un peu le problème de quand je suis en plein écran. C'est pour ça que j'aime pas être en plein écran, c'est qu'on voit si je baisse le son ou autre, c'est chiant. Bref, on s'en fout, voilà. Dans un salon de thé avec des chats, d'accord. Donc nous sommes en live. Il n'y a que Luan pour changer. Et nous allons jouer un petit jeu. Donc je sais pas, j'ai testé. Alors j'ai changé les. Voilà, j'ai mis en français. Après j'ai tout mis à fond. Les touches de la manette, on verra bien. Là, c'est les touches de base, hein, comme d'hab. Et c'est parti. Siège de la commission des faucheurs. Ah, des faucheurs noirs là, hein, par contre. Hein, désolé de vous dire que les corbeaux sont noirs aujourd'hui. Terminus. Sinon, moi, ça va très très bien. Voilà, nous sommes un petit corbeau avec une épée. Regardez ça. C'est magnifique. On peut sauter. Ah non, on peut faire des roulades, d'accord. Ok, roulade avec A. Ouais, machin. Alors, j'ai vu des gens se battre avec un arc. Visiblement, l'arc, c'est. Ah si, l'arc, on peut l'avoir. Ah! Oh là là, nous avons un arc. Splatoon 3 avant l'heure, hein. C'est beau. Hein. Ah ok, d'accord, ok, on a des flèches limitées visiblement. Alors, petite musique super cool, ambiante, je vous laisse profiter un petit peu. Parle avec Y, d'accord. J'ai pas d'âme, j'ai pas de trucs brillants. J'ai pas de soucis. Salut, va mourir! Non. Ah non, on peut pas tuer les PNJ! Déjà le jeu ne mérite qu'un 15. Ok. Donc ici on peut manger des ramen, visiblement. Ah, on peut regarder, inspecter. Billetterie fermée. Partie réparée, un tuyau percé. Je reviens dans 3-4 ans. Ok. A savoir que c'est Devolver hein, qui a fait ce jeu. Donc les jeux Devolver sont souvent très très bien. Hein, Après, c'est souvent des jeux barrés. Quoi, comment ça? Ah, j'ai pas le droit de passer parce que j'ai une épée? D'accord, mais on peut passer quand même. Merde, désolé, hein, y a ma... Mon casque il est un peu sensible, donc ça va souvent vous afficher ça, et c'est ça qui me saoule, c'est pour ça que je voulais pas jouer en plein écran. Ah, j'ai pas vu, ça s'appelait comment Ah, ça me le raffiche plus, pardon. La DA est vraiment cool, hein. Il y a une bonne petite ambiance. Voilà, donc les speedrunners vont se déplacer comme ça, hein, attendez-vous, hein, c'est... c'est... Parlez. Salle des portes, ok, merci, merci Luan de suivre le jeu mieux que moi. Tiens, tiens, regardez qui vient travailler, qu'est-ce que tu fabriquais? Tu baillais aux corneilles, enfin, je me comprends. En tout cas, c'est ton jour de chance, j'ai une âme à te faire récolter. Pas n'importe laquelle, une âme géante. Pense à ta prime. Tu n'as pas oublié ton entraînement, j'espère. N'y laisse pas trop de plumes. Les âmes géantes sont des genres coriaces. Ah. J'appelle tout de suite ta porte. Ah, salut Snow. Avec une âme de cette taille, tu pourras même te permettre de prendre des vacances. Mais n'oublie pas. La porte restera ouverte jusqu'à ton retour avec l'âme spécifiée. Quand elle sera ouverte, tu seras mortel et tu vieilliras. Alors ne traîne pas.
Ah oui, d'accord, en fait là on est dans un monde invincible et dès qu'on est, on va dire, dans le vrai monde, si tu veux, on meurt. On récolte des âmes pour ouvrir des portes et récolter d'autres âmes, et le cycle se répète éternellement. C'est sans fin. Enfin bref, au travail et fais attention à toi. Hein. Ta mort entraînerait un tas de paperasses et je n'ai pas le temps. Ok, wow, je suis un petit corbeau! Il sort aussi sur Switch, ce jeu. Moi je l'ai pris sur PC, mais c'est le réflexe de le prendre sur PC à chaque fois, moi. En fait, le problème de la Switch, c'est que j'ai pas envie de prendre trop de jeux des maths, sinon après, bah, je suis baisé, quoi. Bon, lui, il pionce, ok. Lui, il parle, là? Ouais, il parle. Non, on a un petit bonhomme, j'adore taper à la machine. Je pourrais faire ça toute la journée. Yes. Donc voilà, Snow, regarde, on a un arc. Ah non, merde, c'est pas ça, c'est celui-là, l'arc. Ouais, bon, là, j'ai plus de flèches parce que j'ai tout balancé comme un gros porc, quoi. Ah, on visite, hein. Ok. Ah, ça vaut pas l'arc de Apex, hein, mais... Quand tu veux, Snow, un petit Apex. Hein. Ok, on visite, hein. Je sais que c'est pas là qu'il faut que j'aille, mais... Tu as trouvé un parapluie égaré. Exactement ce qu'il te faut pour ne pas te mouiller les plumes par temps de pluie. Tu peux t'en équiper dans le menu des armes. Oui, il y a un menu. J'y ai pas pensé, c'est le premier truc que je regarde d'habitude. Ah, ouais, ok. Et là, un parapluie. Ah d'accord, dégâts. Alors, un coup, trois, portée, ouais, ok. Ah, c'est l'épée en... En deux fois moins bien, quoi. Ah, mais peut-être que par temps de pluie, ça ralentit mon perso et c'est peut-être mieux. Ok. Fragment de cristaux, âme géante, ok. Butin brillant, touche de la mallette, on s'en fout. Ça, c'est les menus qu'on connaît. Hein. Sauvegarde et retour... D'accord, ok, on sauvegarde ici. Ouais, ça, c'est un truc que... C'est pour ça que je regarde souvent les menus. Je veux passer. C'est un jeu en noir et blanc, hein. Il y a très peu de couleurs. Mais justement, quand il y a des couleurs, c'est trop bien parce qu'on voit que ça, quoi. Allez, on va prendre cette dite d'or, là. Bosquet des esprits, emplacement de l'âme assignée. Alors, il n'y a pas de map. Pas de mapping dans ce jeu, visiblement. Il va y avoir des ennemis, là. Appuie sur A pour faire une roulade. Oui. Ah, c'est un gros didacticiel, celle-là. Ah, mais c'est un follower. Ah, ils sont pas méchants. Moi, j'attaque tout ce qui bouge, hein, quand je sais pas. Ok. Ah, ça c'est pour l'arc. Voilà. Merde! Ah putain, ouais. Des moments là, l'habitude de la Switch est. Ok. Voilà, donc ça recharge les flèches, ok. Parce qu'on a des flèches limitées. Donc pas faire comme tout à l'heure, mettre des grands coups à droite à gauche. Ok, donc on peut ouvrir là, ça fait un raccourci. Esprit de la forêt démoniaque. Oui! Ok. Pour l'instant, on va temporiser. Hein. La terre a l'air simple.
Ah, je sais pas si... J'ai toujours peur de m'approcher. Ah. Merde. Voilà, c'est ça que j'avais peur. Ouh là là. Ah, quand je fais une touche, ça me donne un... Ça me donne des flèches. Oh là là. Je vais pas déjà mourir quand même. Bah non, je vais pas déjà mourir. Ah bah si, je suis mort. Et voilà. Tu es mort. Ah, ça commence bien. Non, mais sans déconner, je vais pas mourir contre le premier boss. C'est un scandale. Magnifique. Et dire que Luan a raté ça, quoi. Scandaleux. Voilà, ça, alors, c'est pas Dark Souls le jeu. C'est pas Hollow Knight non plus, tu vois. Mais bon, moi je suis un peu... D'ailleurs, tiens Snow, j'ai pensé à toi parce qu'il y a le jeu Crystales qui est sorti là. Enfin, je sais pas si ça se dit Crystales ou Crystal. Et c'était un jeu qu'ils avaient montré aussi à l'E3. Ah oui, attends, j'ai pas essayé la grosse attaque. Merde. Bon voilà, il fallait juste bourrer comme un gros porc à la base. Alors. Ah voilà, je suis quand même mort, donc finalement, la boucle est bouclée. C'est marrant ces petits followers là, tu sais pas trop quoi faire avec eux. Donc j'imagine que bah il faut que j'aille là. Voilà, au moins vous aurez vu le tu es mort. Cimetière oublié, région interdite. On va suivre hein. Ouais, voilà, toi, j'ai une grosse attaque comme ça aussi. Qu'est-ce que... J'aime bien la DA du jeu. Ah, mais moi, j'adore, hein, c'est la DA hein, qui j'ai dit, vas-y, je veux tester ce jeu, je veux jouer à ce jeu. Et les musiques sont cool, hein. L'ambiance est là. L'ambiance est là, c'est fluide, pour l'instant pas de bug. Bon, déjà une mort, mais bon. voilà, hein. Prendre. Qu'est-ce que c'est? Ramasser une graine de vie. Plante-la dans un pot vert pour obtenir un fruit d'âme que tu pourras consommer pour restaurer ta santé. Ok. Donc, faut qu'on trouve un pot vert. Hein. Allez, une échelle là, on va la prendre. Ouais, la DA de ce jeu elle est trop bien, il y a Crystales aussi qui est pas mal et j'ai envie de le tester, mais on peut pas couper les fleurs, hein. Donc ouais, il y a plein de jeux que j'ai envie de tester là actuellement. Mais il y en a deux, toi, qui sont bien, qui sortent aujourd'hui, tu vois. Donc celui-là, j'ai dit je vais le tester en premier. Et ça, c'est un jeu, je suis sûr que ça me plaît. Assassinat... Ouais, il faut une clé. Ouais,
Ouais, mais ça emmène où ça? Je viens, moi, regarde. Alors, c'est un peu le problème, c'est un peu Hollow Knight le jeu là, si tu veux. C'est que t'as 50 passages, toi, tu peux aller. Voilà, je peux rien faire là. Une clé, voilà. Mais tu vois, t'as envie d'aller là, t'as envie d'aller là, t'as envie d'aller là, au secours. Et après, en plus, t'as pas de map là. Donc, un jeu où il n'y a pas de map, je t'avouerai que. J'ai pas envie de trop m'égarer. Une masse d'énergie animique. L'énergie animique permet d'acheter des améliorations de faucheurs dans la salle des portes. Ah, bah attends, on va aller voir, ça se trouve, c'est ça la porte là. Sur ma Xbox, merci de Game Pass. Ah bah oui, putain, c'est vrai que c'est sur Game Pass le jeu. Bah, peut-être que je vais pas m'emmerder du coup. Je prendrai peut-être le Game Pass sur le coup. Pour faire le jeu, ça me coûtera peut-être moins cher. On va y faire, on va aller voir ce qu'il y a là. Ça se trouve, lui, il était sur Game Pass aussi, hein, j'ai même pas fait gaffe. Petit corbeau, c'est de l'énergie animique que je sens. Approche si tu veux changer ses âmes pour t'améliorer au combat. Voilà. D'accord, donc en gros, il faudra... Super, là. Comment perdre de la vie facilement? Il y avait un trou. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que je dis? Oui. Ah, voilà. Donc, force, dextérité, compétence du faucheur pour les attaques rapides et précises. Améliore cette compétence pour charger tes attaques de mêlée à distance plus rapidement. Ok, donc je t'attaque plus vite. Mais ça coûte 200. Ça coûte 400. Ça coûte 400, ça coûte 400, ça coûte 400, ça coûte 400. Vitesse, améliore cette compétence pour une plus grande vitesse de base. Des esquives plus rapides et un délai de récupération moins long entre les esquives. Ouais, d'accord. En gros, je vais pouvoir faire des roulades à l'infini. Meilleure compétence pour afficher plus de dégâts de tes sorts et augmenter leur portée, donc l'arc tirerait plus loin et ferait plus de dégâts. Ok, mais par contre, bon, c'est cher. Ah, il y a pas... Ouais, j'avais un doute. Ce côté, c'est un petit... C'est un jeu indé et c'est des Volvers, donc ça aurait pu. Peut-être plus tard. J'ai acheté le jeu il y a je sais pas combien de temps, donc je sais même plus combien il coûte. Il doit coûter 15 balles, 20 balles celui-là, non? Bon, pour l'instant, on va... Ah, c'est bien, parce que quand tu tues les ennemis, ça t'en donne. Donc, j'imagine qu'il y a des ennemis qui... Bon, pour l'instant, je tue... Ça, c'est des petits ennemis. Hein. Attends, je voulais voir, il n'y avait pas une échelle là-bas là ? Ouais, j'ai bien fait d'aller là. Ah oui, mais on a pas besoin de descendre l'échelle, on peut juste sauter, c'est cool. Bon, désolé, c'est un réflexe hein, dans des jeux où on peut avancer en faisant des roulades, je fais toujours des roulades. Ah, c'est ça les pots verts, ok. Cool. Donc j'ai récupéré ma vie. Hein. Ok. Alors on s'amuse un peu avec l'arc, hein. Ah cool, il y a un raccourci. Le jeu est pensé pour pas faire des kilomètres, c'est cool. Attends, la porte, elle est là-bas. Ah! Je vais lui foncer dessus. Ah, ok. Un boss rush. Non, oh putain. Ah toi là l'esquive. Quand je l'aurai amélioré, ça ira mieux. Vas-y, fais ta roulade. Merde.
Merde. Attends, on peut le casser ça? Ouais, vas-y, casse-le. Ça m'emmerde. Ah, yes. Bravo. Poser à ça, bien sûr. Ah, attendez. Là, j'ai l'impression que c'est la suite, mais on va aller voir ce qu'il y a là vite fait. Bon, pour plus tard, je pense. Toujours visiter, hein, comme je vous ai dit, moi quand il n'y a pas de map, la visite absolue. Hein. Bon, ici, ça a l'air les bonnes ambiances. Cimetière, yes, regardez. Si je meurs, on me mettra là, c'est cool. Ah, un faucheur. Mon temps dans ce monde est révolu. C'est fâcheux, je suis toujours vivant. José Pulture, le fossoyeur, il s'appelle. Désolé, il faudrait peut-être une attaque plus puissante. Non, je suis toujours là et bien vivant. Tu sais, c'est le petit taquet que tu lui mets dans la cuisse, mais ouais, vas-y, tu peux toujours taper. Hein. Et si tu prenais ton élan pour voir? Ah, d'accord, putain, c'est cool. Désolé, ce n'est pas ta faute, ça arrive à tout le monde. Il y a une attaque à la Link, si tu veux, tu sais, l'attaque du coup d'épée en avant, là. Je crois que je suis condamné à la vie éternelle. C'est inexplicable, et j'ai passé des années à chercher la réponse. Je suis José Pulture, le gardien des tombes de la montagne sacrée. Oh, et si jamais tu deviens plus fort, n'hésite pas à revenir pour essayer de me tuer. Ah oui, d'accord, on peut lui mettre des taquets à l'infini. D'accord, donc... Ah, vous voyez, on peut faire ça. C'est cool. Non, par contre, y'a rien avec l'arc. Tiji, un gardien de la porte, défenseur de l'ordre et refuge des âmes égarées. On va tester cette attaque. Ça doit être une attaque plus forte. Link déguisé en corbeau, ouais. Ah mais j'adore le design, tu vois, c'est marrant parce que le design est assez simple. Ça me rappelle le design des corbeaux de At In Time d'ailleurs, Snow. Non, trouve pas, il y a pas un petit truc là. Et c'est pour ça que ça m'a fait kiffer aussi. Ouais, il y a un passage, on va aller voir. Je suis toujours pas 400. Hein. Youhou! Y'a pas de dégâts de chute, donc on va pas se plaindre. Hein. Faut que j'aille par là. Hein. Je sais plus. Ouh, l'esquive! J'ai eu de la chance là. J'ai eu de la chance. Ah ouais, les corbeaux dans At In Time, c'est trop bien quoi.
simple structure à une jumelle. Un secret est caché dedans. Non, c'est une tombe, c'est pas un passage. Hein. Ouais. Attends, là on est d'accord que j'y suis allé et qu'il n'y avait rien. Ah si, il y avait du loot à récupérer quoi. Ouais. Allez, on descend. Vers le sommet. Ah bah oui, l'autre il est passé là. Alors. Ah, moi je suis un habitué des vieux jeux, tu comprends, il fallait mettre un coup. Pour ouvrir. Ah mais c'est un raccourci en bas là qui m'a ouvert. Ouais. Ah, attendez, j'ai reçu un message. Ah non, c'est juste Snow qui a aimé un truc. On peut l'ouvrir ça avec un dash. Pas du tout. Oh oh! Petit passage. Non, c'est un réceptacle de cœur? Yes. L'ancien hôtel te fait don d'un fragment de cristal de vitalité. Récupère-en 4 pour augmenter ta vitalité. Ouais, c'est un fragment de cœur, ouais. La. D'accord, ok, il y en a... Ouais. Alors, je sais pas combien il y en aura dans le jeu au total. Hein. En fait, je me suis dit, je vais vite faire ce jeu, parce que j'ai vu qu'MV voulait le faire, mais actuellement, il garde sa fille, ce qui fait qu'il va pas vraiment le stream. Ou du moins, il sait pas s'il va le stream tout de suite, parce que, bah, voir son état de fatigue. J'avoue que moi j'aime bien regarder Mister MV sur des jeux indés comme ça. Vas-y, on bourre. Hein. Moi ce qui me saoule là, c'est que je peux pas ouvrir ça là. Et moi j'aime pas quand je passe et que je peux pas ouvrir un truc là. On verra plus tard. Ah, ça se trouve, attends, c'était un coup normal. Non. Ça doit être une bombe qui doit nous falloir. Quand tu tues quelqu'un avec l'arc, par contre, ça te donne pas de... Voilà, il faut vraiment mettre des coups, en fait. J'espère que le son est nickel hein, par rapport à... Enfin, pour bien entendre la musique et tout. J'ai fait les réglages que j'ai mis pour Splatoon, je dirais... Je crois que j'ai mis 13% du son. Ah ouais, comment ça j'ai loupé? Où est passée ma dextérité légendaire? J'ai pas vraiment besoin de récupérer de la vie. Ah j'aime pas. Ah, tu vois la map elle commence à s'éloigner là, tu vois. Ça annonce le boss, alors attends. Je crois que j'ai pas tout visité. Oulala. Ouais. D'accord, donc on peut rien faire là. Un peu plus fort, je dis pas non. Ah ouais, vraiment? Attendez, on va mettre un peu plus fort alors. Après, je vais mettre plus fort avec le jeu. Ah mais merde, j'ai déjà mis le jeu à fond, c'est vrai que j'ai... Après, c'est vrai que quand je parle, ça coupe le son. Hein. Donc ouais, vous voyez, je suis obligé de faire comme ça là. Merde, non. Where is le... Voilà, where is le... Vous voyez, je suis obligé de faire comme ça là, pour vous dire, hein. C'est un peu chiant. Et on va mettre à 15. C'est vrai que quand je parle, ça baisse, c'est normal.
Ah! Merde. Ah. J'essaie tellement de faire les grosses attaques que je me fais baiser quoi. Vas-y, viens ici toi. Mais non, mais non! Ok, on va les soigner. Ah, je peux augmenter mon perso par contre. Ah ouais, en fait, là, il faut pas s'en servir comme je m'en suis servi depuis le début. Ça te soigne complètement. Salut, Hiro. Pas de Mario Maker, non, parce que j'ai oublié que ce petit jeu sortait aujourd'hui. Et franchement, là, pour l'instant, c'est un plaisir, pour l'instant. Les musiques sont cool, hein. Ah ok, on ouvre la porte ici. Oh, cette démarche. Le petit corbeau qui en a rien à foutre, quoi, tu sais. Gardien de la porte. Ah, ça a changé Yu-Gi-Oh! Wouah! D'accord, ok. L'attaque n'est pas invincible. Tu es mort. Aïe. On recommence. Ah non, ça m'a remis là. Alors attends, où est-ce que je campe déjà? Ah, faut se souvenir de la map. Hein. Ah, attends, quoique. On est d'accord que je garde tous mes trucs? Ah ouais, vas-y, je vais améliorer mon perso. Oui, je sais. Ah oui, attends, mais bien sûr. Attends, j'ai perdu le premier boss à l'air et après je l'ai démonté. Très sympa comme écran, ouais. Ah, salut. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? La dextérité. C'est la rapidité ou la force? Augmenter leur portée, ça augmente la portée aussi. Hein. Ah ouais, j'ai un plus gros... Ah ouais, ça se voit, ouais. Ah, celle-là? Ah, celle-là aussi, faire, attends. Ouais. Alors, oui... Ah, je leur mets deux coups, il leur en fallait trois tout à l'heure. Très agréable, très acceptable. Bon, eux, il leur en fallait qu'un, donc... On va farmer un peu. J'ai pas fait gaffe combien elle coûtait, la prochaine amélioration, mais...
Mais non. Ce serait bien que j'arrive à pas me faire démonter le cul avant d'arriver au boss. Attends, c'était pas là qu'il y avait un truc pour soigner? Est-ce que là où j'ai mis les graines, ça repousse? La vraie question. Oui, ça repousse. Donc en fait, c'est pas grave de les poser. 600. D'accord. Comment on fait là? Bon allez, deuxième try, Zabardi. Oula. Le rose vaincra. Oula. J'ai eu de la chance là. Aïe. M'attaque avec du rose, le bougre. Attention. Mais non. Ah, y a pas de barre de vie, mais on voit que les ennemis sont de plus en plus abîmés, quoi. Oula. Ah, ça donne 100 quand même de tuer ce bonhomme là. Incroyable. C'est quoi ces trucs là? Vers les ruines broussailleuses. Charger mon arc, pas forcément. Ouvrir la porte, pourquoi pas. Pas une porte. Vers le sommet. Je pense que c'est vers le sommet qu'il faut aller. C'est céleste. Alors... J'en ai pas là. Planter une graine, si j'en ai. Je peux pas l'utiliser tout de suite. Ah, il y a une clé, mais je peux pas l'avoir. Cette clé qui va m'ouvrir la porte ici, on peut descendre là. Je peux trouver de l'encens. Son odeur est très prononcée. Ensemble utilisé lors d'anciens rituels pour aider les morts dans leur passage de la vie d'après. Et aussi de masquer la pestilence des cadavres pendant l'embaumement. Sur le côté, une étiquette indique un sang de rédemption idéal pour masquer la pestilence des corps putréfiés. D'accord, ok. Mais oui, à quoi ça sert? Les bonnes ambiances de la mort. Oui. Donc là, je peux pas y aller. Donc on va continuer en haut. Corbeau gris, oh salut l'oisillon. Ouais, c'est toi qui m'as mis un coup là dans le coin de la nuque tout à l'heure là. Parce que ça va chier. Désolé pour le coup sur la tête, mais j'avais besoin de cette âme. Ah, il a dit désolé, c'est bon. Tu sais, j'étais faucheur aussi, comme toi.
des années, ma cible m'a échappé et m'a fallu des mois pour retrouver sa trace. En arrivant, j'ai découvert qu'elle avait franchi cette porte. C'est incroyable. Sais-tu où nous sommes, Moisillon? Nous avons déjà fini Céleste, nous sommes déjà au sommet. La porte de la mort, la dite d'or. La fin de toute vie. Je pensais que c'était une légende. Comme tu le sais, les portes sont alimentées par l'énergie des âmes. Qui sait, si je disposais d'assez de puissance, je pourrais même forcer celle-là. Hélas, l'âme que je t'ai volée ne suffisait pas. Je crois que nos destins sont désormais liés, Oisillon. Comme tu n'as pas accompli ta mission, ta mort est inéluctable. Sans l'âme qui est maintenant derrière cette porte, tu es prise au piège comme moi. Mais la fortune nous suivra peut-être. Ces terres maudites sont cachées aux yeux des faucheurs. Et comme épargnées par la loi de la nature, les créatures qui les hantent peuvent vivre bien au-delà de leur temps, grandissant et se renforçant sans cesse. J'en connais trois sur ces terres dont la puissance combinée des âmes pourrait nous permettre d'ouvrir cette porte. Au nord vit une vieille sorcière prête à tout pour échapper aux griffes de la mort. Au-delà de la forêt à l'est, le roi autoproclamé règne sur les ruines d'une cathédrale inondée. Et au sommet d'une montagne à l'ouest vit une bête immémoriale, sauvage et féroce, sans désir ni envie. Super, les grosses ambiances quoi. Je suis désolé de te mêler à tout ça, Oisillon. Mais j'ai atteint un âge avancé, mon corps est fatigué. À toi de choisir ta voie. Tu peux partir à l'aventure et récolter ces âmes géantes, ou choisir l'inaction et connaître le même sort que moi. Je peux te mettre à attaquer? Pas du tout. Au nord? Ok. Yes. Donc là, on est d'accord qu'on peut rien faire. Ok, donc le sommet, ça sera à l'endroit où ça se finira, je pense. Je vous fais le doublage, hein, c'est rare, hein, mais... Ah, cool, une clé. Pour aller au nord, justement. Enfin, j'imagine que le nord, c'est là. Moi, le nord, c'est toujours le haut de la map. Merde. Alors, en descendant, ça me fait raccourci. Vers le manoir de la sorcière des urnes. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Il y a un passage là, mais... Non. La serrure est très ancienne et rouillée, à retenir ça. Ah, mais ils sont où les jeux vidéo où il y a des coins cachés comme ça, là, derrière? Normalement, il y a toujours des passages, là. C'est l'habitude d'aller gratter à droite à gauche sur certains jeux. D'accord, mais en fait, c'est vraiment là, quoi. J'ai pas fait 15 bornes. Oui. J'y vais en marchant. Hein. Alors. On va aller par là. Le café à l'heure, quand même. C'est quoi? Ah, c'est pas accueillant, ça. Ah ouais, ok. Pas du tout accueillant. Quoi, ça donne Q1 en plus? Honteux. J'espère que le jeu va pas me demander de farmer comme un gros porc, hein, parce que ouais, quand je vois que ça coûte, comme je vois comment ça coûte les améliorations, combien les ennemis te filent. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon. Ah, j'aurais pu juste descendre tout à l'heure, ok. Bon, c'est pas grave, j'ai récupéré une âme. Oui.
Ah, mais d'accord, c'est un ascenseur, putain. Magnifique. J'ai le réflexe de lancer avec ma manette 360, mais ça me dérange pas, tu vois, pour ce genre de jeu, tu vois. Ouais, et ainsi, là, si, elle avance toute seule, là, ma manette. Mais ça me dérange pas, en fait. Et je le sens, là, le joystick qui grince. On va casser le vase, là. Alors, voilà, mais en fait, c'était juste une petite crypte, là, où on est passé, mais en fait, elle habite plus haut, là, la sorcière. On va récupérer, c'est important. Important de se soigner. J'ai pas ma vie à fond, mais... C'est pas dérangeant. Enfin, tant qu'il n'y a pas de boss, c'est pas dérangeant. Ah, c'est trop classe, regardez. Ah, les fées avec les allez, hein, Nintendo, Animal Crossing, là, prenez des notes. C'est trop bien. C'est trop bien fait, toi, c'est con, elles disparaissent après. Hein. Mais l'animation est cool, tu vois. D'un point de vue animation, le jeu pour l'instant me plaît vachement. Hein. La DA est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Toi, cette année, j'ai quasiment pas joué à des jeux indés. Hein. D'habitude, j'ai déjà torpillé 4 ou 5 jeux et là. Fais brûler tes armes en répondant à la joie. Comme ça? Ouais. Ça marche aussi avec un coup comme ça. Bon, j'ai vu le mec avec l'arc, hein, c'est ce qui m'a inspiré. Hein. Donc tu peux faire des tirs enflammés si... Voilà, si tu passes à travers le feu. Magnifique. Ah mais en fait c'est pas que les champignons me donnent des flèches, c'est qu'en fait dès que je mets un coup et que je tue quelque chose, ça me file des emplacements de flèches, c'est pour ça. On dirait une petite ville où on est. Ah, je peux pas le casser, visiblement il y a un truc pour casser les murs. Ah, un passage peut-être. Non, je vais même pas te tenter. Quasi sûr que ça m'enlève de la vie. On est d'accord que j'ai pas assez, de toute façon, c'est 400, hein. Ça me le marque ou j'ai amélioré, non? Même pas. Ah, c'est dommage, ça clique pas un petit truc qui te dit... Oh, bonjour, ami à face de bec. C'est plutôt rare de voir un faucheur par ici. J'imagine que tu viens quérir une âme. Pas la mienne, j'espère. Mais trêve de bavardage, oiseau. Je crois que nos chemins se sont croisés au moment opportun. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais je suis victime d'une terrible malédiction. Ah, pauvre de moi, ne me juge pas sur la forme de ma tête, mais... Mais sur un succulent potage qu'elle contient. Oh, marmite! J'en oublie mes bonnes manières. Ravi de te faire la connaissance face de mec. L'ambiance des musiques et tout, ça va. Y a tout qui va bien dans le jeu, je crois. J'oublie mes bonnes manières. Ah oui, donc ravi de faire ta connaissance face de mec. Je crois que j'ai déjà lu, mais bon, c'est pas grave. Je crois bien que mon Pyrex s'achève dans une impasse. Je n'ai pas pu surmonter les obstacles et ouvrir les portails de fer. Si tu m'aides à avancer, j'aurai une dette envers toi et nous pourrions continuer ensemble. Yes, oh marmite. Ah, c'est le jeu Devolver, ça, il y a toujours une bonne... Il y a toujours de l'humour et tout dans les jeux. Bon, il y a des jeux bourrins aussi, hein, mais... Ah, ok. Ils explosent pas eux quand on les tue, d'accord. La sorcière, visiblement, qui a fait ça.
Je vais me soigner, je vais pas me soigner, je vais me soigner. Avec quel jeu? D'accord, ok. J'ai pas envie de sauvegarder. Enfin, j'aimerais bien sauvegarder, mais le problème c'est que j'ai pas envie de quitter le jeu, quoi. Oh, tu veux te battre? Oula! Merde, ça passe pas à travers, ils ont de la chance. Allez, meurs. Jardin de la paix. En fait, il a buté personne, c'est pour ça qu'il est pas passé. Alors, ensuite. Très agréable, hein. Franchement, si un jour vous pouvez tester ce jeu, je pense que déjà... À jouer, ça va, ça se fait bien. Ah, je fais gaffe à ça, là. Je peux pas les porter, hein. Bah, ça passe à travers, c'est dommage. Merde. Voilà. Ok, j'en ai ouvert une des deux. Alors, aux marmites, qu'est-ce que t'en penses? À présent, fais le sale boulot à ma place, s'il te plaît. Merci, pas de soucis, t'inquiète pas. Je gère. Ça va me la recharger, la fleur? Pas du tout. Ah ah ah! Avant que j'oublie. Ah, mais je peux pas y aller. Si, on peut passer à travers comme ça, vous voyez. Magnifique. Ah, dommage que j'ai pas d'autres flèches, j'aurais vu si... je voulais savoir si, si on pouvait cramer les buissons. Bah attends, faire du coup s'il y a des passages comme ça... Je visite, hein, on sait jamais, hein, je connais pas le jeu donc... Ah. Ah ça stun en fait comme attaque. Donc pas si mal que ça à utiliser. Il y a un petit peu du sang quand même dans ce jeu. Magnifique. Ah mais oui. Alors on est là, là c'est le tuto. Aïe aïe aïe, c'est ça que je voulais faire comme attaque. Aïe aïe aïe. Attention hein. Une touche et c'est la mort. Il y a des gens qui sont apparus.
J'en ai une graine, dis-moi que j'en ai une. J'en ai une. Jardin de la joie. Le jardin de la joie. Ouverture de la porte. Alors, ensuite. Ah, puis moi, ça me fait du bien de vous montrer d'autres jeux, là. J'en avais un peu marre de toujours streamer les mêmes choses. Je me suis dit, tiens, vas-y. Parce que, bon, évidemment, demain, Life Splatoon, hein, mais... Mais voilà, quoi. Une petite graine pour la prochaine, yes. Alors, aux marmites, qu'est-ce que t'en penses? Hourra, nous pouvons nous aventurer plus loin, cher acolyte à plume. Mais d'abord, accordons-nous un moment de répit. Asseyons-nous un instant. Comme je te l'ai dit, lors de notre rencontre, je n'ai pas toujours eu cette tête de soupière. Cette étrange malédiction est l'œuvre de la sorcière malfaisante qui vit dans le manoir, au-delà de ces somptueux jardins. Je présume que tu es là pour elle, n'est-ce pas? Son âme doit assurément être mûre à point et prête à récolter après une vie anormalement longue. J'aspire à tout cœur de rencontrer cette mégère. J'exigerai qu'elle fasse disparaître cette caboche en poterie et me rende ma beauté d'antan. Elle est plutôt fière à lui, figure-toi. Yes. Un peu de soupe? Oh bien, allons-nous de là. Alors allons de l'avant, pardon. Ouh, j'arrive plus à parler, ça y est. Oui, l'avant, c'est là. C'est quoi, ça? Hein? J'ai pas compris, mais bon. Ah, c'est juste un feu follet qui est dans le truc. Ça passe à travers le mur, là? Non. J'essaie de comprendre s'il faut faire quelque chose avec ces petits feux follets, là. Ah, ils esquivent, ah oui! Ah, dommage. Tiens, mort. Hop, vas-y, ouverture du passage. On visite, hein. Jardin de l'amour. Attends, y'a sûrement un truc à faire là, non? Pas sûr, hein. Un truc à faire.
La voir comment non, ça se platonne. Alors, il y a un truc à faire là, on va aller voir, on va visiter ailleurs pour voir s'il n'y a pas un truc qui correspond. Pas touché, j'ai de la chance. Ouais. Attends, c'est quoi ça? Ok. Là, il y a un ennemi qui veut ma peau. Ah, on peut l'affronter? Ouf, celle-là. Mais non, Odou, il m'a pas touché là. Ah là, il m'a touché par contre. Ah, il est en train d'écraser mon cadavre. Bon, il y a pas Luan pour voir ça, c'est bon. Tant mieux. Là, elle prendra un malin plaisir à regarder. Ah, je trouvais que ça c'était, ça ralentissait, c'est bizarre. Non, c'est bon. Ouais, s'il tire des flèches de feu, il me fait plus mal, non? Un trigger là, ce truc là. Pas ça? Je trouve c'est rien. Hein. Ouais. Non mais on peut aller plus loin là, non? Faire une belle statue, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Si voilà, cet édifice peut sembler anodin, mais pour ne pas dire inoffensif. Eh bien, détrompe-toi, reste sur le qui-vive, mille dangers nous guettent à l'intérieur. À présent, plongeons dans le gouffre de l'aventure et dans le ventre de la bête. Bon, vas-y tout seul, moi je me balade. Je vais retenter le boss là quand même. Ah, je peux faire une esquive comme ça aussi. Allez. Ok. Oh, il commence à avoir mal. Cinquante. Ah bah ça va le coup, tiens. Redonnez-moi en deux, s'il vous plaît. Alors, hop, on recharge. Jardin de la vie. Merci à toi. Alors là, il y a de quoi démarrer un feu. Ah! C'est tout?
m'attendais à... Ah, je m'attendais à ça plutôt. Doit être bouton. Alors, on ouvre ça, on ouvre ça. Moi, j'ai envie d'allumer les torches là. Oula! L'esquive a l'air invincible quand même. En fait, il faut que je peux tomber. Ah putain, j'ai senti que j'allais la prendre celle-là. Vous avez vu le nom, il est arrivé une demi-seconde avant. Ah, je peux améliorer notre compétence. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé des dagues sauvages. Ah, vas-y, faire. On essaye. Dégâts, c'est pas tout à fait fort comme mon épée. La portée, elle est pourrave. Mais par contre, les coups, j'en mets 6. Temps de frappe, 0,35. Plus rapide. Alors, j'ai toujours mon arc normal par contre. Vas-y, on va essayer les petites dagues. Allez, ça, je suis un ninja. Merde. Si on ouvre la porte. On va tester les petites dagues. Il va bien rester un mob ou deux que j'ai pas buté. Ah, mais du coup, est-ce que ça va pas plus vite de buter les trucs là? Comprendre ce qu'il faut faire là. Il doit y avoir un truc, c'est obligé. Bon, ouais. Soin peut-être. Y'a pas un truc pour se healer là. Alors on va tester les dagues et sinon on reprendra l'épée.
Yes, c'est parti! On est devant, moi je garde la porte. Ah ouais, super! Ah, c'est moins. C'est plus coloré là, oui, c'est marrant. Putain, j'ai cru que ça m'avait tué! Salle des portes, yes. Attends, où est-ce qu'on est? D'accord, ok, on est là. Alors j'ai 400, ça coûte 600. Alors attends, dextérité, hein? Améliore la compétence pour charger l'attaque. Alors, des esquives plus rapides, j'en ai presque envie. Ça, j'en ai envie aussi. Enfin, j'ai envie de tout, de toute façon. J'ai envie d'être à fond. Alors, on va augmenter par... par ordre. Moi, je fais souvent ça quand j'ai un doute. Ah ouais, regardez, un haut et ça va vachement plus vite. Hein. C'est celle-là la nôtre. Hein. Manoir de la sorcière des urnes. Alors là, il faudrait. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Non, en fait, je pense qu'il n'y a rien à. Il y a rien à faire avec l'autre, hein. C'est juste que ça se répare. Ouais, ça se répare juste en fait. Là, il y a une porte, mais j'imagine qu'il faut une clé. C'est quoi ça? Tout cher vivant, je veux manger des âmes. Là, il y a de la vie à récupérer. Ah oui, d'accord. Attends, non. Attends. Moi j'arrive de là, là on est d'accord que c'est mort aussi. Ah mais là j'avais pas vu. Alors... Ah! Le tourbilol, ok! Attaque plus vite, mais je fais moins de dégâts, alors on sait pas. Pour l'instant, on va voir. Histoire de changer un peu, c'est de montrer du gameplay. Hop là, super. Alors voilà, ça, c'est le truc à pas faire, bien sûr. Vas-y, viens ici, petite créature. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Ok. Ah ok. Donc là il y a de la plateforme. Ouais. Il y a une clé ici, on va la prendre. Ah d'accord, ok, la clé elle ouvre ça. Non, c'est tu
Tuer ces trucs là, ça donne. Ok. Plus haut peut-être. Ah oui, oh le génie. Le génie. Ah, je pense que c'était comme ça qu'il fallait faire. Hein. Là, il y en a une là. Hein. Ce mec, j'ai déjà fait 50 000 roulades là. Hop là, allez. De toute façon, pour progresser, il fallait le faire ça. Donc, je pensais que c'était un truc annexe, moi. Ouais, je crois que j'allais tomber là. Ah oui, en fait, ils sont là pour recharger nos. Ah, t'as toujours des flèches en fait. Ah, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait un truc à faire. Hein. J'ai tiré un peu sans réfléchir. Bon, sinon, j'espère que ce petit jeu vous plaît bien. Hein. Moi, c'est, je passe un bon moment là actuellement. Ça fait plaisir. Zizir ce jeu. Yes. Hop. Attention, on va voir si mon set d'armes est bien pour les boss. Ah, t'as un bouclier, toi. Un coquin. Ah, putain. D'accord, on peut faire ça. Ok. Là, mange-le. Attends, mets-toi en face de moi, s'il te plaît. Ok, let's go! Non, attends. Ah, c'est bon. Ouh, vous avez senti la roulette qui arrivait juste après. Ah, très intéressant. Ouais, ça va, c'est bien, c'est rapide en fait. Moi j'aime bien les armes rapides dans tous les jeux, n'importe lequel, donc... Mais moi je préfère être plus rapide et moins... moins fort. Hein. Bon, après des moments tu sors ton dynamo et puis... un coup de génie quoi. Qu'est-ce que c'est? Libérer l'âme. Je crois que... nous a abandonné ici... qu'on nous a abandonné ici, personne ne viendra ouvrir la porte. Ah ok, elle a 4 à libérer. Ok. Ouais. J'ai pas envie de tomber. Même si là, je pense que c'est pas gênant si je tombe. Ah! La sorcière. Bonjour, très cher. Je suis étonné de voir un corbeau ici. Notre marché serait-il rompu? Que vient faire un bel oiseau comme toi dans mon humble demeure? Faut savoir que c'est pas dans la cinématique qu'il avance tout seul comme ça, c'est juste ma manette. J'ai osé mettre un coup. Ça l'a fait partir, hein, mais... Arrêtons les conneries. What? Alors la clé, elle peut m'emmener là ou là-haut? On va aller en bas d'abord. Pour l'instant, je garde cette arme? Ouais.
J'avoue que je la joue un petit peu petit zizi là. Alors. Ouais, en parlant de petit zizi, hein, vite, de quoi se soigner. Est-ce qu'il y avait de quoi se soigner à l'entrée, il me semble? Oula. Excusez-moi. Allez, on continue, hop. On a rechargé à blanc, non c'est cool. Où est-ce qu'il faut qu'on aille là? Non, c'est en bas. Bon, c'est l'énigme, il n'y avait rien de bien méchant là. Dangereux de faire ça. Ça c'était dangereux. Ok, on a envie d'aller partout. Hein. Ah, la salle de bain. Hein? Ah. Ah d'accord, avec la vitre, on voyait... D'accord, que j'ai pas fait exprès. Ouais, avec la vitre, on voit des trucs. Bon là... Ok. Putain, mais ça me trigger là. J'ai l'autre là, il y en avait 4 aussi. Ouais. Il y en avait 4 aussi. Non. Ah, il y a peut-être moyen là, non? Ah, mais je suis con, il y en a que deux là. Augmenter les compétences magiques de l'autre à leur limite. Ah oui! Vas-y! Bon, j'ai bien fait de regarder. Donc là, pour l'instant, ça m'a fait un check. Hein. J'ai tellement pas envie de les rater, tous ces secrets. Tu vois, c'est pas le problème de les faire, c'est le problème de les trouver des moments. Alors, des ennemis. On va éliminer les ennemis d'abord. Ah, je vais le prendre là. Voilà, pas le choix. Hein. Pouah là là. Tué par le décor, quoi.
La bonne nouvelle. Alors. Ah, on connaît lui. Ah, par contre, on connaît, mais sans les sbires. Putain, c'est le sbire qui m'a mis un coup, quoi. Le dégoût. C'est pas grave, j'ai un peu bourré, j'avoue. Ah, c'est triste. Je commence à remettre en question l'autorité du maître des portes. Mais il est un peu tard pour ça, puisque je suis morte. Là, je me demande si je me suis pas pété un doigt hier au boulot. Un doigt qui est tout tordu, hein. Ces petits corbeaux morts au combat. Moi, je ne suis jamais mort, moi. Alors, on va voir. Mes aïeux, quelle pagaille. Mes belles urnes, elles sont brisées. Je voulais dire que je te prie de m'excuser pour le désordre, très cher. Je m'attendais pas à de la visite. Dégage! Il y a du sang de partout chez moi, mais c'est pas bien grave. Il y a une orbe là. Comment on fait pour l'avoir? Ah. Grosse marmite qui parle, tu veux danser? Ça sentait l'embrouille. Aïe! Non mais non, vas-y. Ouais, j'ai envie de l'attaquer mais... Salut Bisonman. Je travaille ce soir, ouais. Donc j'arrête à 19h. Aïe aïe aïe. Est-ce que je garde ces armes-là? J'ai envie de garder cette arme-là pour l'instant. Ça change un peu. Poète, poète. Ouais, c'est un peu long le boulot là, surtout. C'est même pas que c'est dur, c'est plus long. Attends, on est allé là, hein. On est allé là, on est allé là. On est allé là. Ah, on va te faire foutre, toi. Bon, j'imagine que pour faire tomber ça... Allez, vas-y, baston. Putain, mais je prends des coups trop simples, ça m'énerve. Ah, il peut pas monter là. Haché. Putain, mais il est même pas à un début de rose là. Ah si, je casse son vase en fait, j'ai pas fait gaffe.
Par contre, me faire toucher autant de fois par un boss aussi simple. Voilà. Ça commençait à se voir, ouais. Fallait récupérer la graine. Ouais, le boulot ce soir, ça va se passer, ouais. C'est juste que c'est un peu long, là. C'est même pas... Enfin, moi, c'est un peu compliqué ce que je fais, mais tu vois, je me suis niqué les mains. Il faut que je fasse gaffe, quoi. Alors là, à mon avis, il y a moyen de pas faire ça. On tente le coup. Ça passe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclairer un peu. Oh, le tuer mort, quoi, qui est violent, quoi. Calme, le jeu, calme. Attends, je sais. Pas ma faute, je commence à fatiguer, là. J'ai bientôt le boulot. Ah, fait chier un peu de taper le trajet à chaque fois, par contre. Attends, mais je suis con, l'épée, je peux la changer n'importe quand. J'ai envie de repasser avec l'épée un peu. Un peu plus de range. C'est un peu plus safe. Plus de dégâts aussi. Alors, en plus, je l'ai one shot, quoi. Celui-là, j'aurais jamais dû le prendre, mais bon. Je sais pas si ça change quelque chose de tout ouvrir, mais... Ah si, ça m'a mis une échelle en plus. Je voulais savoir. Donc après, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cramer celle-là. On va casser les vases, là. On va aller voir celle-là, hein. Je pense que c'est du bonus. Sans l'esquive qui va être augmentée. Dommage, tout à l'heure j'étais pas loin. Attends, est-ce que ça... Non. C'était juste du bonus de faire ça. Je voulais vraiment savoir. Ah, ça sent la merde là, non? Ah non, même pas, ça va. Un petit pote. Oh, la porte s'est-elle fermée? Comment pouvons-nous rentrer? Peut-être essayer de finir ce manoir là avant de partir, mais bon, 25 minutes, je sais pas.
Mais dis-moi, ce n'est pas toi qui as mis cette pagaille, j'espère. J'adore comment, comment mon corbeau il réagit avec sa tête. C'est un quoi? C'est un? Je suis pas très accueillante avec ces affreux qui veulent maltraiter mes enfants. Oh mais garde, faucheur. Ouais, bien sûr, dégage. Enfin. Hop, allez, on se heal parce qu'on va pas revenir ici. Ah! Un raccourci! Je suis à combien là? Peut-être, attends, y'a pas moyen d'aller refarmer, mais ça se trouve, ça ripop pas, j'ai pas fait gaffe. Si, ça ripop. Quoi ça, 392? Ah, j'aimerais bien remonter à 400 histoire de, d'augmenter. Tranquillou, pépère, hein, ça va? Ah, je vais juste aller taper de l'ennemi rapidement. C'est juste histoire de looter un peu. On va farmer un peu, c'est juste histoire de voilà, d'avoir l'esquive. Là, j'avancerai plus rapidement. Bon, en tout cas, ça va faire quoi là? Ouais, presque 2 heures de jeu. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Hein. C'est agréable, c'est rigolo, l'histoire est cool, la DR est bonne, la musique sont cool. Putain, mais ils sont où les ennemis là? Je sais bien que j'ai assassiné tout le monde, mais quand même. Ah. Et encore 2 ennemis. Oui. Ouais, super. What? Mais ils étaient juste devant l'entrée. Ouais, j'ai regardé s'il y avait pas d'OST, j'ai pas trouvé. Mais bon. La musique du jeu se transforme en dispo, genre. Bref. Ah merde, la porte, elle était en bas. Ouais, ouais, le jeu est très cool pour l'instant. Ah bah peut-être, ouais. Après, moi j'aime bien les avoir aussi sur Spotify, par exemple, mais... Attends, c'est quoi la vitesse que ça augmente? Parce que j'ai l'impression que mon esquive est pareil, moi. La vitesse, c'est pas le truc qui a l'air de se sentir beaucoup. Bon, après, ils peuvent pas te mettre 6 points de vitesse en mode à la fin, t'es Sonic quoi. C'est moi ou ça m'a régène de revenir dans ce monde là? Putain, ça, il faut que j'arrête avec ces ennemis. Hein. Des trucs à récupérer là, mais
putain. Secours. Ouais, en fait, c'est un peu comme dans Splatoon, je crois que quand t'en as qu'un, ça t'augmente ta vitesse, mais vite fait, tu vois. Alors là, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Et voilà. Il n'y a pas besoin de farmer, il fallait juste faire ça. Assassinat! Ah bah je l'ai bien prise hein. Tu m'énerves toi. Alors il en reste un, il est où? Ok il est là. C'est pas aussi flarant qu'aérodynamisme, ouais, grave. Alors. Pas sûr que je puisse là, si. Ça a fait tomber la clé, c'est bon. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire, mais avec un bon angle des moments. Hein? Ouais, par contre, le passage. Ah, un petit raccourci. Encore ? On va voir si c'est plus rapide de le tuer avec ça. Putain. Yes. Ça s'est plutôt bien passé. Ah, mon petit ami corbeau. On m'a dit que je vivrais éternellement, mais avec une tête en forme d'urne. Merci bien. Scandaleux. Ouais, c'est cool. Bien, petit corbeau, tu as assez abusé de mon hospitalité. D'abord, tu as rempli la tête de mon crétin de petit-fils avec des histoires absurdes de malédiction. Ensuite, tu viens jusqu'ici pour briser mes belles urnes. Moi, je veux juste aider les gens. Si tu poses la patte dans ma cave, tu devras subir les conséquences. Toi-même en toucher deux mots à ton employeur.
Quoique je préfère ne plus voir ce vieux tordu, franchement, qui se promène avec une sœur en guise de tête. Quel farfelu. Du balai, petit corbeau. Hop, dégage, pardon. Excusez-moi. Attends, je suis un peu perdu là. Je crois qu'il faut aller là-bas, en bas. Ah, c'est ça. Petit île avant. Ouais, petit île avant. Tous les vides brillent d'une lueur mystérieuse. Est-ce qu'elle est ouverte? Seulement, je comprenais mieux le fonctionnement des portes. Avant que tu ailles plus loin, face de bec, je dois te faire un aveu. Elle est sorcière, et bien vois-tu, c'est ma grand-mère. Je me suis retrouvé avec ce crâne en cervique quand elle a essayé de me rendre immortel. Vois-tu, la mort de mon grand-père lui a causé un tel chagrin qu'elle s'est mise en tête de garder notre famille en vie pour toujours. Tes recherches l'ont amené à penser qu'en remplaçant une tête par une urne, elle pourrait rayer quelqu'un des registres de la mort. Cependant, je me suis pas laissé faire, nous nous sommes battus et son sortilège a dû échouer car, comme tu peux le voir, j'ai une soupière en guise de tête. Je crains qu'elle n'ait vécu beaucoup trop longtemps, son âme est devenue bouffie et corrompue. J'ai déjà vu ça souvent sur ces terres. Les infocheurs, je t'en supplie de mettre fin à ses souffrances et d'emmener son âme dans la vie d'après. Puisse-t-elle retrouver à nouveau la paix? Yes, je vais buter ta grand-mère! Méfie-toi, infocheur vivant. Je suis là pour buter des gens. Tu peux te mettre un coup toi aussi, non? Tu peux pas te faucher? Bref. Tourbilol, tourbilol. Ah ok. Super. Pauvre corbeau, tu sais. Bien les musiques, hein. Putain, oh, c'est la violence quand tu te fais buter, ça stoppe la musique instant quoi. Oh, c'est trop bien. Ah, mais la musique était trop cool en fait. Allez, on continue, réessayer. Bien sûr, réessayer, attends. Je vais pas parler pendant le fight, je vous laisse profiter de la musique. Putain! Pardon. Super!
Ok, j'ai tout pris dans la première seconde et après ça s'est mieux passé. Ah! Excusez-moi, faut que je réponde au téléphone. Je reviens. Voilà, donc excusez-moi, hein, c'était un peu compliqué. C'est qu'au boulot, comme je vous ai dit, c'est vachement calme. Et du coup, à parler organisation, surtout que j'ai des collègues qui devaient pas venir, qui finalement sont venus hier. Donc du coup, ça ne s'attendait pas à ce qu'on soit quatre au boulot. Et c'est pour ça que la nuit était longue. Un cadeau d'un collègue au corbeau pour t'aider dans ta quête. Allez, puis je vais sauvegarder après ça. J'imagine que j'arrive à la fin, mais putain, Louane, t'as raté plein de trucs. Mais je vais mettre la VOD sur YouTube. Sort de flamme obtenu. Appuie sur 1 pour passer au sort de flamme. Ah! Oh là là! Mais, on va pouvoir allumer n'importe quelle torche! Ah, c'est les mêmes. Voilà, donc par exemple, là pour sortir. Trop cool. Bon, on aura débloqué un Katon, hein. Je continuerai le let's play, je pense, hein, parce que je le ferai qu'en live et je mettrai les VOD sur YouTube pour que vous puissiez profiter. On dirait un journal abandonné par un faucheur. On nous a ordonné de déconnecter une série de portes ouvertes dans la région où il y a une surcharge d'énergie. Dans cette même zone, on a constaté une grande activité des membres de la commission qui aidait la sorcière dans ses recherches. L'ordre a été exécuté immédiatement et je ne sais pas ce que sont devenus les corbeaux qui étaient là-bas. Toutes les portes ont été scellées, les autres travaux demandés dans la région ont été effectués manuellement. Bizarre, mais ce n'est pas de mon ressort. Il vaut mieux ne pas se poser des questions. Ouais, c'est trop cool. Ah, regardez, en plus c'est de la mana, là. Là, je lui ai fait peur. Ah, je vois que tu as visité les anciens bureaux, je travaillais dans l'aile est avant de commencer ma vraie vie et de fuir le stress quotidien. Je suis beaucoup plus heureux, mais j'avais un chouette bureau. Ok. Oh là là, regardez lui. Qu'est-ce qu'elle sort? Je n'ai pas vu autant d'énergie atomique depuis des années, des siècles même. Attends, Du coup, j'ai pas son âme en fait. Ah, j'ai pas compris, il faut que j'aille maintenant. On verra ça demain, parce que là du coup c'est un peu tard, je suis désolé, du coup ouais j'ai perdu facilement 10 minutes là avec l'appel. Mais bon, pas le choix. Donc ouais, on va sauvegarder. Voilà. Donc c'était Dite d'or, moi franchement j'ai passé un bon moment. Voilà, donc je continuerai la suite du jeu je pense en live, ouais. Donc on verra quand, mais demain non, parce que demain c'est Ice Platoon. Donc je vous tiens au courant. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Bises et à la prochaine. Et merci Louane de ton passage rapide à la fin.